Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce sixième épisode de Let's Play sur A Plague Tale Requiem. Alors, on était bloqué ici. C'est complètement stupide. Alors, nous avons besoin non, j'ai pas de. Pour une île vue en rêve. Un rêve qu'il fait depuis des semaines. On pourrait juste brûler tout le quartier. En finir une bonne fois pour toutes. Alors. Restez là gentiment, d'accord? On peut pas l'ouvrir la porte là? On peut ouvrir là. Non. Hop, à la main de l'Eslingish. Hein? Rien. Ah, purée. Je suis obligé de le faire à la fronde. Ok, on peut donc maintenant prendre ici un bout de bois. Et on se dépêche. Bien morflé, hein. D'accord. Des nouvelles du comte? Des soldats. Non. Il paraît qu'il a placé la ville sous l'autorité de la bête. La bête? Ça explique le carnage. Ce type est un boucher. Il y a deux torches. Ton pot. Un nuage d'extinguis peut éteindre plusieurs torches. Un pot d'extinguis? Ça peut marcher. Qu'est-ce que tu fabriques? Les rafleurs sont déjà passés. Ils ont peut-être oublié des trucs. Tu rêves, mon gars. Ah, j'ai pas de... Hop. On a déjà perdu assez de temps à côté. Viens. Ils ont fermé la herse. Il doit bien y avoir moyen de le rouvrir. J'espère qu'Hugo tient le coup. C'est dur à entendre, mais il a connu bien pire. Il faut que ça cesse. Bon allez les gars là. Je
On va avoir un problème. Quoi? Il n'y a pas de train là-dessus. On va devoir courir. C'est ça. Lâche à mon signal. Alors, appuie sur B. Maintenant! J'arrive! Allez, allez! Plus vite! Je suis derrière toi! Regarde! Pas de rats! Ils se sont arrêtés au mur de la ville. Ils se fichent des murs. C'est à manger qu'ils veulent. Je ne vois pas de soldats non plus. J'y pense. Dans le laboratoire de Vaudin, il y avait une fresque représentant une île. Je l'ai vue, Lucas. Que dis-tu de ça? Vaudin, c'est forcément quelque chose. D'accord, d'accord. Je tenterai de demander. Merci. Bon. Mère a dit que l'herboriste vivait à l'orée d'une forêt. On ne doit pas être loin. Quel silence. C'est étrange. Il y avait des gens ici récemment. Pas de sang, ni de traces de lutte. Cette forge a été utilisée récemment. Hé, il y a un établi là. Tu peux t'en servir pour améliorer ton équipement. Tu devrais y jeter un œil. On sait pas ce qui nous attend. Oui, d'accord. Un couteau, très bien. Je peux utiliser l'outil que j'ai trouvé. Alors, ma fronde, mon alchimie, mon attirail. Elle fait moins de bruit lorsqu'elle l'utilise. L'outil de recyclage permet de casser déjà les couteaux, les pyrites et les carreaux en pièces. Si un mythien n'a plus de place. Ouais. Ouais. Bon, allez, la fronde. C'est mieux. Ça m'aidera bien. Très bien. Il faudra descendre. J'imagine. On peut y aller? Oui. On sort. Il y a un cadavre, là. Les rats? Non. Poignardé. Les soldats, sans doute. Non, rien. Excusez-moi. Ah bah tiens. C'est pas vrai. Les rats, ils sont là aussi. Je te l'ai dit, ils se moquent bien des murs. C'est à cause des carcasses. Oui, ils suivent le sang à la trace. Mais on ne sait pas où ils s'arrêtent, ce sang. Là où il n'y a plus personne. Et alors, voyons un peu. Hop. Je vais arranger ça. X. Hop. C'est bon. Je voulais pas le poignarder, mais... Cette pourriture. Je crois qu'on n'a pas fini d'en croiser. Ça doit s'arrêter. C'était lui ou moi? Malheureusement.
bombe. On va attendre. Des bouts de viande avec des épées. Voilà, très bien. Pourquoi vous êtes si agressif? Le comte a fait une erreur en faisant confiance à la bête. On sait même pas si les gens qu'on tue sont malades. Jusqu'où ça va aller? La bête, elle agit au moins. Ça ou les hommes paniquent. Je sais. Ce bruit. Je vais voir. D'accord, il y en a qu'un avec la torche. Désolé, fausse alerte. Je savais que tous ces rats, c'était pas normal. Pas de bâton, quelque chose comme ça dans le coin. Il a l'air que non. Ah, là-bas. Y a rien à faire tomber par ici, par hasard. Pour non. Là, y a du. Pourquoi vous êtes si agressif? Voilà. Je fais ça, est-ce que je peux passer par au-dessus du bruit? Non. Bon. On lâche. On va prendre un autre. Petit bois. Ah, ah purée. Oh non. Ah, j'ai été dans l'ombre.
Ouais. Alors ici. Bougez pas de là, vous entendez ? Ok, parfait. Je peux pas, mince. Ah oui, je tapais dessus, c'est ça. Non. Bon. Ok. Alors ici. Tu trembles. Ce n'est rien. Attends. Hop. Bougez pas de là, attendez. Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas pourquoi nous sommes là. Je sais. Je le fais pour Hugo. Bon. Avancer jusqu'au prochain feu. Oh, quoique. C'est quoi ? C'était rien. Juste au cas où. Je savais que tous ces rats, c'était pas normal. Il joue jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ah merde, j'aurais dû le lancer là. Merde. Ah.
Ouais, bon, bah, je dois me ramener avec le bâton jusqu'ici, hein, en fait. Ça marche pas, je suis pas assez... Donc en fait, hop, on y va. Pourquoi vous êtes si agressif? Ces gens. Les regardez pas si ça vous chagrine. Pas l'œuvre des rats. C'est vous! Vous les avez tués! Je veux voir mon épouse! Écoutez, j'ai eu une longue journée et mon épée est encore tiède. Alors? Il faut faire quelque chose. Ils sont encerclés par les rats. Vous voulez mon aide? Je m'en fiche. Vous êtes déjà tous condamnés! Écoute, Nerboris, si tu la fermes pas, vous tomberez bientôt malade. Et vous regarderez mourir en riant! Arrête! À genoux, tout de suite! Il va l'exécuter. Je sais pas quoi faire. Non, c'est le c'est fichu. Pas encore. Je sais où elle ressemble. On peut y arriver. Il faut juste trouver l'atelier de l'herboriste. Essaie de te calmer. Tu n'auras rien de bon dans cet état. Te calmer? Ces monstres ne font qu'aggraver les souffrances d'Hugo. Dites-moi que je rêve. Je suis pas fou. Dans la forêt de l'herboriste. Hé, hey, tu te sens bien? T'es toujours vivant? Hé hey. Ça venait de là. Reste hors de vue. On l'a tué? Non, j'essaierai même pas. Je vous tiens! Merde, je suis coincé ici. Mais je vous aurai! Bon. Ah!
bien. Des gens dans une église. Ils n'ont plus aucune limite, Lucas. Ça sent des bouchers. Tu t'attendais à quoi? Je ne sais pas. Ils n'hésiteront plus à profaner une église. Curé. Oui, Amicia est morte. Bon, mais c'est pas grave, hein, ça fait déjà plus d'une demi-heure. On s'arrête là pour cet épisode et on se dit rendez-vous dans le suivant. En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et portez-vous bien. Allez, bye.